Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours, nous allons voir comment télécharger et utiliser très rapidement le logiciel gratuit de traitement d'image Photofiltre. Pour cela, il faut vous rendre sur le site internet de téléchargement qu'on trouve très facilement sur Google et qui s'appelle photofiltre.free.fr. Allons-y, on arrive sur cette page, on choisit la version anglaise ou française et on se rend sur l'onglet en haut à gauche téléchargement. Ici, plusieurs choix s'offrent à nous. Il faut absolument choisir le second choix, la version française au format zip. En effet, cette version est une version portable qui est gratuite et qui surtout ne nécessite pas d'installation et n'inclut pas de barre d'outils qui viendrait se coller sur votre navigateur et qui est toujours délicate à désinstaller. Si vous êtes plus à l'aise dans une autre langue, vous voyez que le site vous propose de nombreux fichiers de traduction dans tout un tas de langues. Donc, téléchargeons la version française au format zip. On enregistre le fichier, il se télécharge très rapidement, il fait un peu moins de 2 mégaoctets. Le téléchargement est terminé. On se retrouve dans le dossier où on a téléchargé le fichier. Il suffit d'extraire les documents ici, Extract Here. L'ensemble des documents est extrait. Et il suffit d'ouvrir le logiciel pour le lancer sans avoir d'installation supplémentaire à faire. Donc c'est une méthode qui n'est pas du tout intrusive, qui est portable, on peut directement le charger depuis une clé USB et qui permet très rapidement d'utiliser toute la puissance de Photofiltre gratuitement. Voilà, ce cours est à présent terminé. Vous pouvez retrouver tous les autres cours que j'ai mis en ligne sur netprof.fr en cliquant sur mon prénom, Reynald, qui s'affiche en lien sous la vidéo qui vient de se terminer. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.